Après l'hôpital général de Ngoyo, le cortège du président de la République s'est dirigé vers le 3e arrondissement Tchétché, où il a procédé à la mise en circulation des voiries urbaines du quartier Mboukou, au grand bonheur des populations riveraines. Ce même geste a été réitéré dans le 4e arrondissement Luandili, au quartier Tchinyambi. Ces voiries urbaines ont été réalisées dans le cadre du projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires d'URCAP en sigle, mis en œuvre et financé conjointement par le gouvernement congolais et la Banque mondiale. Au total, 10 880 mètres linéaires de voiries urbaines par pavage ont été réalisés, soit 5 500 mètres au quartier Mboukou, y compris 520 mètres linéaires de l'avenue Charles de Gaulle et 5 380 mètres linéaires au quartier Tchinyambi.